deux proches. Je demande à la police criminelle d'écouter ce direct. Je vais vous parler de cette dernière qu'on appelle la femme de Serge Benou. Oui. Est-ce que vous savez qui est la femme de Serge Benou? Je vous dis qui elle est. Oui. Oui. Les gens disent non, Déborah, ta drogue te fatigue, tu fumes trop, tu racontes tout, dis n'importe quoi. Mais c'est que tôt ou tard, les deux vont se laisser parce qu'il y a un secret qui a sorti tout de suite. C'est pas bon. Ils savent qu'ils vont se laisser. Ça dit, dès qu'ils sortent le secret net, qu'ils vont arriver devant là. On dit même pas un an, même pas deux ans même. Ils vont se laisser. Nous on entend Serge Benoît a laissé sa femme. Sa femme a laissé Serge Benoît. Divorce a commencé. Et il sait de quoi il parle. Voilà. Ça n'a rien à voir avec elle-même. Elle-même là, elle est un peu lesbibi. Donc c'est rien. Ça se gère entre elle là-bas, entre eux là-bas. Venez, on s'assoit. Et ma bouche, tu cherchais, non? Bien, t'es donné ça. Non. Hein? Augmenter ma vitale et ma visibilité avec yo. Ah, les humains. C'est créché. Pour moi, c'est ça fait shine. Montez la chine, montez, montez. En coupé, tout. A fait là. Voilà. Aïe. C'est ça. Hé, les gars, fermez le côté là-bas. Quand vous parlez, le retour là me fatigue. Le retour là me fatigue. Non, faut pas prendre. Faut diminuer en fait. Toi qui dis, il n'est pas honte là, tu es bête. J'enceintais ta cervelle. Tu crois que si assis ici pour rigoler, non? Pour t'amuser. La révélation. Oui, c'est la révélation. Voilà. Montez la Chine, pas aujourd'hui, là, il y a trop de papos. Il avait dit que s'il me répondait, là, il y allait gâter. Non, c'est arrivé, voilà. Mais là. Voilà. Est-ce que vous connaissez cette dernière qu'on appelle Jacinta? Cette Jacinta. Écoutez bien ce qu'il entend blanc dire. Je vous dis, quand je demande aux autorités du Côte d'Ivoire de faire attention et de prêter énergie cette dernière. Oui. Parce que moi, c'est ma façon de rigoler. Hein. Voilà. Vous savez que cette dernière est dans les trafics pas possibles ici en Côte d'Ivoire. Je confirme. Cette Jacinta en question. Et cette. Je confirme qu'elle est dans des trafics très importants, dans des histoires de drogue, et je confirme aussi qu'elle est dans des histoires de cocaïne. Voilà, la vraie vérité, c'est que on ne sait pas si... Voilà, attendez, rentre plein, il est revenu là. En coupé, Nyan, montez, en coupé cette histoire, ça me fatigue. Je me calme, ça m'embrouille, mais bon. On finit ça. Je disais, fais quoi? Donc je disais, faites attention et je demande aux autorités de mettre un peu un accent sur cette dernière-là. Parce que cette dame est dans beaucoup de trafic. Oui. Oh, voilà, je... L'air qu'elle vous donne n'est pas. Montez la Chine. Il m'a répondu, donc il est cassé maintenant, c'est vrai, papa, c'est pas ça, là. Bon, je ne vais pas trop parler parce que. Oh, voilà, je vais là-bas. Non, on se calme pas ici, il y a du chalet. Je vais les balancer et tous. Oui. Oui. Donc, il faut que tu branches ça aussi. La femme de Serge Benoît, vous connaissez le travail que les brutelles font là. Elle est 7 fois maniaque. Vous savez qu'elle a un côté hindou et qui parle de technologie. Ils sont super forts là-dedans. Et cette dame-là a l'art de faire des cartes de crédit. Et Allah aussi de faire des. J'espère que vous entendez. Hein. Voilà. Écoutez bien. Donc, qui est vraiment la femme de ce stérile-là dans son secteur. Bachel. Et vous allez vérifier dans ses comptes pour voir où est-ce qu'on en est. Non, si la base là, Benoît n'est pour rien. Non, il n'est pour rien. Il n'est pour rien. Parce que lui, c'est un gigolo. Mais un gigolo, et elle-même là aussi, là, elle lape aussi les gens. Donc, c'est un gigolo très bête. Bah, et quand il s'en se fait baiser là, les gens qui le baisent là, filent les sons aux gens. Et puis ça rentre dans nos gammes. Non, c'était.
Mais là, il a déclenché ce qu'il ne devait même pas déclencher. Donc, je demande ce bâtard. De mettre un accent sur cette dernière. Son nom, c'est Yacinta. Avant de commencer, elle est dans la drogue. Il avait parlé de drogue tout de suite. Voilà, Randa Blanc qui confirme. Cette dame est dans la drogue et cette dame aussi est dans le blanchiment d'argent. Cette dame fait des cartes de crédit et cette dame aussi est dans le système qu'on appelle boutage. Bon, dans notre jargon ivoirien. Ok. C'est une femme très très forte. Elle est très dangereuse. Faites très attention. Et ce qui me plaît, c'est que Zota est au courant. Tu sais ça? Zota est au courant. Ouais, donne-le, doc. J'avais appris ça aussi, mais hein, si je parlais, on allait dire que ouais, toujours moi, bâtard. Aujourd'hui, là, on finit toute cette histoire-là. Là, quoi, quand chacun qui dans ça, là, chacun va savoir qui est qui dans le pays-là. Bâtard. C'est la fille-là qui paye. Tu comprends? C'est la fille-là qui paye. Où elle enlève l'argent-là? Elle n'a qu'à nous dire. Nous, on veut savoir. Madame Yacinta, ton argent-là, où tu enlèves-la? Faut nous dire. Elle a qu'à dire, hein? Elle a qu'à dire. Voilà, c'est pas l'Eléa là qui fait lesbienne. Faut nous dire, on veut savoir. Voilà. Toi qui dis qu'on a gardé les preuves de ce que nous on parle là, toi-même là, même là, même là, même là, même là, ton bâtard même pour commencer encore. Voilà. La fille est dangereuse. C'est pas Wawa. Elle est mal intelligente. Tu connais ce blâme, on fait les faux passeports là. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un passeport que Beno vous a montré, passeport, comment on appelle ça même, rouge bordeaux là. Dites non, quel diplomatique, passeport français là. Voilà, c'est que c'est un passeport trafiqué. Boulet est dedans, elle fait ça. Sous, elle est dedans. Petit, tu vois, c'est le Samatigui là, hein, petit. FSC, tu as 4000 personnes depuis longtemps, moi, en quelques minutes. Fondation. On a dit non, c'est la magie, hein. Qu'elle a fait des fondations. C'est honoré. C'est une fouleuse. Oh, tu parles pas bien là. Faut vite parler, casser. C'est demain là, tu as plus venu t'attaquer à Biru Sama. C'est Gina. Pata là. Tu crois que c'est non, tu vas prendre pour venir sortir ton faux son, hein, il ne sait pas qui là. Si tu veux chanter tous les Nigériens du monde entier, tu n'as jamais, jamais, jamais plus moussé dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Pas ça là. Ton anus a ouvert, on dirait, ils ont mis Ahmed dedans là. Chio. Attends, on arrive. Il n'a qu'à finir, il est commencé. Ça ne chauffe pas. Tu vois, ah. Il demande juste à la police. Peut-être la même, peut-être nous indexer là. Il demande juste à la police. D'aller. Bon, ok. Faut fermer le bif de lui là. Bon, la Chine, il est très clair et très bref avec vous. Hein? Je vois des fans qui sont là. Ouais, concentre-toi sur ta carrière. Ouais, laisse-t-elle lui là. Et arrêtez un peu vos conneries aussi. Je suis aussi un être humain. Vous comprenez un peu. Quand je me tais, c'est-à-dire, ils viennent vous mentir sur les réseaux sociaux. Quand l'homme se tait, ce qu'eux disent sur les réseaux sociaux, c'est ce que vous, vous croyez. Et c'est vous-même, de par vos commentaires, de par vos posts, de par vos partages, qui font que je suis obligé maintenant de me réveiller et de venir vous dire la vérité. Donc arrêtez de faire chier le monde entier. Écoute, Stérida, hein, je dis moi mon nom. Plus jamais de ta vie tu parles de ça encore. C'est-à-dire que pour ouvrir ça de ta bœuve de merde, là, ta caracasse de primate qui est en carême, là, faut même pas t'amuser. C'est-à-dire que tu tiens encore mon nom. Même si c'est pour t'amuser, mais pour dégamer. En tout cas, il ne va pas te tuer. Hein. Il ne peut pas te menacer en direct. Il ne va pas te tuer parce que je ne suis pas un tueur. Mais sache que s'il y a une émission, que me voit ta tête, hein, gifler et t'envoyer là. Gifler, tu n'as jamais rien. Quand il y a un mec, bah! C'est dit, si tu n'es pas devenu beau là, il faut changer mon nom. Va porter toutes tes plaintes, va faire tout ce que tu veux, prends tous tes certificats médicaux. Quand il y a mes pas, c'est pas beaucoup, hein, beaucoup. Non, moi je ne lâche pas coup de poing, les morts efféminés, non. Les morts efféminés, moi, ne cause pas ça. C'est même pas dans mon mouvement, mais tu es parti trop loin. C'est là que tu as compris maintenant qu'il ne fallait même pas t'amuser. Toi, tu es bâtard.
Tu crois que moi, je vais me lever, venir me prendre voiture à crédit, en plus avec un grand frère, un papa, comme qui vient ça, ou même me lever pour prendre voiture à crédit avec quelqu'un dans le pays. Mais le pays, là, même là, tout le monde vit dans le crédit. Même les États-Unis, qui sont la première puissance mondiale, si tu ne sais pas là, ça vit dans le crédit. Même en France, tout le monde vit dans le crédit. Mais moi, personnellement, je ne vais pas prendre mes mouvements dans le crédit. Si je viens, je peux dire, ok, bon, tiens, ok, viens, moi, tu vas ta voiture à combien? Je vais ma voiture à 10 francs. Ok, viens, ben, tiens, aujourd'hui, il y a 7 francs. Ok, tiens, demain ou dans tel jour, je vais te donner tes 3 francs, mais tu ne dois pas. Alors, tu es jaloux de ma voiture, tu es jaloux des gens, c'est quoi ton problème? On ne te calcule plus, champion. Aujourd'hui, chacun se concentre sur sa carrière musicale. Tu as peur ou bien? Ton album, tu as fait sortir, ça fait 8000 ans, ça ne marche pas. On ne va pas ça à la FNAC dans les coins. Je ne sais même pas où on vend ça. Je ne sais même pas si on vend ça à Château d'Oma, Château Rouge. Tu n'es même pas compté dans les streaming. Tu as quel problème? Laisse les gens tranquilles parce que tu vas faire que maintenant l'appétit. J'espère que tes fans qui te soutiennent sur les réseaux sociaux, qui sont très rires là, quand on va te mettre, pas. J'espère qu'ils seront là pour te sauver. Hein. Bah, moi, je te dis en même temps, quand on s'est croisé, fa là. Moi, je ne suis pas psychopathe. Moi, je ne suis pas maman des gens. On ne m'a pas élevé comme ça. Je respecte la maman des gens. Mais là, tu as poussé le bouton trop haut. Comme toi, d'abord, je vais t'apprendre à chanter ce 15 juin. C'est tout près, ça arrive. Tu vois un peu le son, n'est pas encore sorti des blancs. Tout le monde commence à frapper les démos. C'est le virus, Sama. C'est le Sama Tigida. Je ne défends personne, je ne défends pas en temps plan, je m'en fous de ça, mais il ne fallait pas t'attaquer à moi. Ma voiture, je l'ai achetée, elle est couchée chez moi, dédouanée, très bien, propre, toujours bien lavée. Une voiture que toute ta vie, même s'il faut donner ton anus, c'est-à-dire, ouvre ton anus, pays n'a qu'à te baiser, excusez-moi les fans du mot, tout un pays n'a qu'à jouer dans ton anus, tu n'as jamais payé ça. Alors, très chers fans, vous qui parlez, non, le coupé de calé comme si le coupé de... Vous qui aimez comparer les gens, va venir vous mentir, hein, ces histoires de lui a payé maison. Lui a payé maison. Tu as payé maison, Dieu merci, si tu as payé ta maison, si tu as payé une deuxième maison, Dieu merci. Mais faut mentir à ta famille, faut pas mentir aux gens ou mieux aux fans qui ne savent pas. Sinon, faut figurer. Si chacun veut figurer ce qu'il a dans ce pays, si là, tu vas encore quitter ici. Oh, l'homme est couché chez lui à la maison tranquillement, il est en train de penser à mon bouton qui est en train de me boutantiser. Un bouton bâtard à cause de tous ses problèmes. Un bouton là même était là, mais il est en train de me dire non, ne parle pas, non, ne parle pas, non, ne parle pas. J'ai parlé première fois, bouton est fâché, pas. Lui aussi, il a mis pas. C'est ça. Vous envoyez les missiles jusqu'à dans mon sommeil, mais il rêve souvent, mais il lève quoi. C'est quoi ça? Hein? Atteinte à mes rêves. Je veux aller porter plainte pour atteinte à mes rêves. Mais laissez-moi un peu. Ce que Rantanplan dit est vraiment la vérité parce que c'est elle qui met des choses dans la tête de son primate de Paquiteux qui est en carême depuis plusieurs milliers d'années en plus. Demain, il faut te lever encore, t'as venu parler de quelqu'un. Bâtard, là. En tout cas, il y en a terminé. Mais moi, il a dit et il répète. Le jour que tu me croises, toi, Sterina, sois prêt. Sois prêt, hein. Il y a qu'à avoir un fan qui a venu me critiquer, quoi, non, tu donnes nom. Quel nom? Il a dit à son nom, il y a mon nom, je suis qui je suis, et puis ça roule. Donc, toujours n'ont qu'à marcher sur moi. Quand vous partez me défendre, là, ça me plaît. Mais ça n'agit pas comme quand moi-même je prends les choses en main. Quand il s'agit de moi, il faut bien qu'ils me défendent. Tu as venu te foutre des gens, tu as pris une photo de, c'est même pas des filles qui ressemblent à primates qui ont rêvé, qui ont menti, que ouais, elles sont sorties à moi. Tu vas prendre ça, venir dire que non, non, ta belle, mais tu es bête, hein, tu es bêtement instantané dans ta tête avec une galaxie qui déconne en plus, qui n'est même plus vivante. Tu es sérieusement instantané, c'est-à-dire qu'ils ont loué ta cervelle, tu te sens plus bien. Il y a des microbes et des manias dans ta cervelle, Sergina. Parce que quand tu réfléchis comme ça, toi-même, tu sais que 1, tu es stérile. 2, tu es efféminé. 3, tu as petit cuit. 4, tu as paquette. 5, tu n'es pas trop beau. 6, tu mets des vestes trafiquées, des paires de souliers qui ne sont même pas de marque. 7, tu es très et superbement pas. Et tu t'attaques à des gens que tu sais que déjà même, ils étaient même pas encore nés, ils avaient sale bouche. Tu es bâtard. Toi, tu sais chanter. Pourquoi concert où on a fait à Abidjan où on dit nous deux concerts là?
Pourquoi tu as fait la première partie et puis tu as fui? C'était pas ce qui était prévu. C'était prévu que tu poses tes petites fesses de main, tes fesses tues, on dirait, du solvant là. Tu devais poser tes petites fesses, on devait faire au moins un duel ensemble. Mais comme tu sais que tu pouvais pas te duelliser, tu as fui. Tout le temps, tu fuis. Tu es un fuyard. Tu es un lâche, un plaisantin. Tu énerves les gens. Et j'espère que tu es prêt parce que ceux qui rient derrière toi là. En tout cas, on a regardé une émission, moi, Arafat, il est venu. Puis on dit que non, toi, c'est Gina. Non, mise à jour. Stérina, que tu es là. C'était pas Wado là. On mettait pas envoyé un bon chakou là. C'est que non. Quand il y a même. Tu as senti que c'est un garçon qui t'a tapé. C'est pas des trucs féminins qui t'ont. Non. Pas, tu sais, Kiki. Kiki, c'est bon. Kiki, quand ça rentre dans le cuir, souvent, il y a huile qui sort dans le cuir. Donc, ça fait que ça glisse. Donc, ça ne peut pas trop te faire mal. Quand il met boue là, hein, tu as pas que c'est un tracteur, ils ont tapé dans ton ventre. Demain, tu n'as plus venu parler, mon homme. Bâtard. Ta pharmacie ouvre bientôt. Tu vas aller prendre tes comprimés, tes couches là-bas. Bâtard. Ciao.